peine de disqualification. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce dimanche. Vous l'avez vu à l'image, c'est la 104e édition du Sedan-Charleville. Une course mythique en France, une course ville à ville où vous allez pouvoir voir les coureurs tout le long du parcours. C'est absolument merveilleux tous les ans. 2800 coureurs inscrits cette année, ils sont derrière moi, et puis 15 coureurs aussi en handisport, et on va vous les montrer à l'image. Ils sont 15, ils vont s'installer dans quelques instants, ils vont prendre le départ juste avant 13h évidemment. Alors on va faire une petite interview avec vous. Vous venez de où? Audelincourt, juste à côté. Ok, c'est la première participation? Non, pas du tout. Tous les ans, je le fais. C'est toujours un grand moment. Ouais. On dit toujours que c'est une course merveilleuse parce que le public est là, présent tout le long du parcours pour vous encourager. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Il y a plein d'animations, il y a plein de monde tout le long de la route. Et franchement, ça donne vraiment du courage. C'est un entraînement spécifique, le Sedan-Charleville? Faut pratiquer régulièrement, mais sinon, oui, ça demande quand même un sacré effort. Oui, c'est sûr. 23 km 600, c'est pas rien quand même. Hein. Vous comptez le faire en combien de temps? À peu près une heure. Moi, en bike comme ça, c'est à peu près en une heure. Mon record est en 54 minutes. Et moi, je pense entre une heure dix à peu près. Là. Bravo en tous les cas. Le départ dans une poignée de minutes pour les handisports. Ils sont en train de s'installer. Ils sont donc 15 cette année à prendre le départ de ce Sedan Charleville. C'est vrai que c'est une très belle course hein, puisque tout le long du parcours, vous êtes là, les Ardennais présents. Certains s'installent avec des chaises, des tables pour encourager tous ces participants. Vous allez donc découvrir Donchery. Ils vont passer par Dolmenil, Flize et puis bien sûr Villesmeuse et l'arrivée Place du Cal sur notre joyau architectural à Charleville-Mézières. Les meilleurs vont mettre environ 1h15, 1h20. À noter la présence d'un athlète de très haut niveau qui a fait le marathon de Paris cette année dans le cadre des JO. Il s'appelle Félix Bourg et on attend évidemment une grosse performance de sa part. On va aller dans la Meuse, dans le Chaudron. Ils sont là, regardez, derrière la ligne de départ. Départ à 13h pile ici, avenue Philippe Otto à Sedan. N'hésitez pas à partager ce live avec vos amis. On va aller sonder un petit peu l'ambiance ici parmi les coureurs. Alors les premiers sont déjà derrière la ligne. Par exemple, bonjour. Tu viens de où? La Francheville. La Francheville. Alors il est affûté hein, le mec. Regardez déjà. Toi tu comptes faire une petite performance? On va essayer. Hein. Comme tous les ans, on va essayer de s'améliorer. C'est-à-dire à peu près que tu comptes le faire en 42. Ah, c'est pas mal. Voilà, on va tenter. On verra. On verra tout à l'heure, à l'arrivée. Les conditions météo sont idéales pour un semi-marathon? Idéal, ouais. C'est parfait, là. Pas trop chaud, pas trop froid? Non, c'est très bien. Ok, on te souhaite une bonne course. Si vous venez nous rejoindre, c'est le Sedan Charleville qui va démarrer dans quelques instants. Allez. Vous venez de la Meuse? Venez les gars. Alors, eux, ils viennent en meute. Ils sont quatre. Présente-nous tes amis, là. Alors, Alain, Francis, Laurent et Jérémy, nous, on vient de Saint-Miel. Quel est le meilleur? Ça, on verra à l'arrivée. C'est votre première participation, vous faites tous les ans? Alors, on est venu à 12. Il n'y a que moi qui ai déjà participé. Pour eux, c'est une découverte. Ah, alors la découverte, pour toi, par exemple, il y a une petite appréhension, là, de faire un semi-marathon? Non. non, il n'y a pas d'appréhension, du plaisir, ça va aller, non, au contraire. Vous allez en forme, tout souriant? On est en forme, on a hâte de découvrir la place de Charleville, et puis voilà. Ah ben, l'arrivée en tous les cas, les magnifiques places du Cal, vous allez voir, on vous souhaite une bonne course aussi. Merci. Il y a des hommes, mais il y a aussi des femmes, il y a des jeunes, des moins jeunes évidemment, on va essayer de trouver des féminines. Ah ben voilà un jeune là, toi tu viens de où? Bonjour, je viens de Saint-Miel dans la Meuse. Ah ben, encore un Meusien qui vient... Ah, c'était mon père là-bas. Ok, et tu as revêtu le beau t-shirt, regardez, Sedan Charleville de cette année. Comme ça, on est carrément accordé avec tout le monde pour l'occasion. Apparemment, c'est une belle course, bien connue, donc on va essayer de faire une belle course. Je le disais, il y a du monde tout le long du parcours. C'est une course mythique en France, un ville à ville extraordinaire. 23 km 400, ça te fait pas peur? Non, ça va. J'ai jamais couru autant, mais j'ai déjà fait un semi-marathon, donc je pense que ça va aller. Ça va être un bon entraînement. Ok, et puis la météo est sympa là? Ouais, là la météo, on a de la chance, donc c'est cool. Temps idéal. Ok, allez, on continue un petit peu à découvrir les participants. Voilà une jeune participante. Bonjour, toi tu viens de où? De Laon, dans l'Aisne. Ah ben, alors on n'a pas d'Ardennais là pour l'instant, c'est incroyable. Pourquoi tu viens participer à cette course?
première course, reprise de course à pied, après du vélo. Ok, et t'es spécialiste du demi-fond ? C'est ce que je préfère, ouais. Mais après, on verra. T'as déjà fait d'autres courses, des 10 km, des marathons ? Oui, oui, oui. Donc ça va ? Tu vas maîtriser la course ? Ça devrait aller. Ok, voilà, on vient de l'Aisne, on vient de la Meuse, on vient des Ardennes, on vient de Belgique aussi. On vous fait vivre cette ambiance. Ils sont donc 2800 au départ. Alors, sachez qu'il y a aussi d'autres courses qui s'intègrent dans le Sedan-Charleville. Il y a les Foulées Roses. Vous savez que c'est une course qui permet de récolter des fonds dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, puisqu'on est en plein dans Octobre Rose. Ils sont 1300 au départ. Ils vont démarrer de Villesmeuse. Et puis, il y a aussi au départ de Villesmeuse, le relais pour l'emploi initié par la mission locale de Charleville-Mézières. Et puis là, ben voilà, vous avez entendu le départ. Pour les handisports, je ne sais pas si vous avez entendu le coup de pistolet. Ils viennent de partir à l'instant, ils partent 10 minutes avant. Et le départ officiel donc pour les 2800 coureurs, ça sera à 13h pile. Vivez avec nous ce départ de Sedan-Charleville. Ils sont beaux, ils sont merveilleux, ils ont des sourires. Bonjour. Bonjour. Alors on est venu en groupe aussi pour s'encourager. Oui, oui, on est venu toutes les trois. Et pourquoi alors Sedan-Charleville, c'est une course qui vous intéresse particulièrement ? Bah, on l'a fait déjà depuis plusieurs années et puis bah, c'est une course du coin, alors on l'a fait. Ok, et pas d'appréhension ? Non, ça va, c'est le sixième. Non, ça va, impeccable. Combien ? C'est le sixième là, cette année. Ah, sixième ! Alors, raconte-nous un peu ton expérience. Bah, souvent il pleut, hein, généralement, là on a de la chance. Ouais. Bon, il fait pas très chaud. Des fois il fait très chaud. Voilà, là c'est vraiment idéal. Et puis bah, on attend l'ambiance, hein, on attend le public ardennais pour nous encourager, la famille, les amis. Si tu avais un message à passer pour ceux qui hésiteraient à participer à ce Sedan-Charleville, tu leur dirais quoi ? Inscrivez-vous pour l'année prochaine, vous ne serez pas déçus. Ok, voilà. Des filles, des garçons, allez, je me ferai un chemin parmi tous ces coureurs. Voilà, vous les voyez à l'image, ils sont beaux, ils sont merveilleux. Ah, tiens, viens avec ton béret. Oh, ah, regardez, ouais, regardez, le folklore aussi, ça fait partie du Sedan-Charleville. Pour se détendre en fait, c'est pour faire la course de manière sereine et que ça se passe au mieux, voilà. T'es magnifique, hein. Où est-ce que t'as eu ça ? Comment ? Où est-ce que t'as eu ça ? Ah, je fais beaucoup de courses déguisées et l'objectif en fait c'est de s'enlever la pression, donc voilà. Ah, ça permet de... C'est psychologique. C'est ça comme il faut, ouais. Ouais, toujours, mais ça n'empêche pas de bien courir derrière. Tu viens d'où ? Mais je viens de Charleville, hein, mais ah, c'est... enfin un Ardennais. Bah, bien sûr, oui, bah c'est la course quand t'es Ardennais où t'as le poil pendant tout le parcours parce que tu as plein de monde que tu connais. Donc ça te donne envie à mort. Et puis surtout l'arrivée quand tu montes le Courbrillon où t'as plus rien dans les tripes, et là t'es poussé par le public, c'est un petit peu comme dans l'école du Tour de France, il paraît, c'est vrai ? C'est exactement ça. La Côte de Mont aussi, elle est pas mal parce que c'est resserré, c'est l'Alpe d'Huez, la Côte de Mont, c'est pas mal aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose en dessous ? C'est... Alors ça, il faut arriver. Attends, regardez. Tu vois l'arrivée, je vous dis, moi. Non, faut attendre l'arrivée. Tu cours avec moi, tu verras l'arrivée, d'accord ? Ok, attention, hein. Je te mets au défi. Hein. Ouais, bonne course à toi. Voilà, on est là. Alors, ils vont démarrer dans une poignée de secondes. Et en tous les cas, ça va être le lâcher de coureurs. Il y en a qui sont bien affûtés, hein. Regardez, ils sont préparés avec les gourdes, le sac à dos, tout ça. Il y a tout. Tout ce qu'il faut, les bons becs. Les bons becs, regarde le beau. C'est la caravane qui m'a filé les bons becs, alors on en fait quoi ? Tu vas les consommer pendant le trajet ? On va les donner aux enfants qui nous encouragent. Ah ouais. Voilà. C'est vrai que, et on le renouvelle, on le redit, c'est une course où il y a du public tout le long. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui te motive. C'est merveilleux. Ils sont super, les Ardennais. Moi, je suis marnaise, je viens là parce que cette course-là, elle est géniale. C'est une course unique en son genre. Tout à fait. Et puis, effectivement, on traverse des jolis villages et puis on découvre un peu le territoire. C'est ça, c'est très beau. Vive les Ardennes ! Et toi, tu es une spécialiste de demi-fond ? De rien du tout. De rien du tout ? Ah non, c'est ta première ? Alors, j'ai déjà fait 40, mais une fois. Donc là, le 24, c'est ma première grosse course depuis longtemps. Ok, voilà, le Sedan-Charleville, on véhicule de plein de bonne humeur, plein de bonnes choses, des sourires. Et puis surtout, il y a 9 nationalités qui sont représentées. Les premiers vont arriver en 1h15, hein, 1h20, c'est impressionnant, 23 km comme ça. Alors toi, tu nous fais un pouce, ça veut dire que t'es content d'être là ? Ouais, particulièrement, ouais. Surtout que le temps est plutôt favorable, donc pour l'instant, ça va aller. T'as déjà couru sous la flotte ? T'as déjà couru dans d'autres conditions ici ? Ah, c'est la première fois que je cours ici, mais ça m'est déjà arrivé de concourir dans des courses sous la pluie, et c'est pas réellement facile. Là, le temps est plutôt idéal, je dirais. Alors, c'est ta première participation. Est-ce que tu as suivi un entraînement spécifique ? Disons que j'ai inscrit cette course dans une prépa marathon, et donc voilà, elle vient logiquement dans le parcours que je suis depuis
depuis 2 mois, et donc voilà, ça devrait plutôt pas mal se passer, je pense. Une petite appréhension ou ça va aller ? Toujours, toujours une petite appréhension, c'est plus fort que soi, on n'y peut rien, c'est comme ça, et voilà. Et tu viens de où géographiquement ? Je viens de Troyes, de l'Aube. Voilà, ils sont partis, regardez. Alors on reste au milieu parce que sinon je vais arriver complètement dans la meute, je vais me faire écraser, donc j'essaie de me faire tout petit. Vous les voyez à l'image, ils sont là, regardez, tous ces 2800 coureurs qui prennent le départ de cette 104e édition de cette course mythique, unique en France, ce Ville-à-Ville, Sedan, Charleville. Ils vont arriver pour les meilleurs dans 1h15, place du Cal, et puis d'autres vers 3 heures de course. En tous les cas, on vient ici pour le folklore, le sourire, le bonheur, la joie de vivre, et puis pour sa santé aussi, parce que courir, ça fait du bien, on élimine la sédentarité. Ah non, c'est un faux départ, je crois. Oui, qu'est-ce que tu me dis, Jérémy ? 2 minutes ? 1 minute avant le départ, voilà. On me confirme, c'était le faux départ fictif. Mais là, dans 1 minute, on va entendre le coup de pistolet du starter. Et ça sera parti pour 24 km 300 à sillonner les Ardennes. Je viens de l'entendre, le départ avec la ville de Donchery. Je salue les Doncherois, ceux qui vont être dans le Ménil, à Flize, à Villesmeuse et puis à Charleville-Mézières. J'entends des coups de pistolet, je ne sais pas si le départ... Si, ça y est, je vois enfin le départ réel. Et regardez, ils sont là, faites coucou, salut les amis. Ils sont merveilleux, ils sont bons, encouragez-les. Ouais, salut, salut, on est en direct sur Hello Ardennes. On va laisser s'égrener toute cette meute. C'est impressionnant, hein, 2800 coureurs, bon record encore cette année, qui s'élance dans cette avenue Philippe-Poteau à Charleville-Mézières. Je me fais tout petit, hein, pour ne pas me faire écraser. En tous les cas, on les remercie. Bonjour madame, bonjour. Et puis merci d'avoir regardé ce live. Allez les encourager, ils le méritent. Allez aussi Place du Cal à Charleville-Mézières, il y a une grosse ambiance. Et puis vous allez pouvoir voir vos amis, votre famille. Il y en a qui viennent aussi dans le cadre de sport en entreprise. Voilà, j'essaie de ne pas me faire bousculer, de surtout pas les déranger. On est dans les derniers. Tiens, on va accompagner ces jeunes filles. Le dernier. Ah, ah, salut. Ah tiens, c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe là? Alors là, on est pour la masse des Trépigny. La quoi? La masse des Trépigny. Alors raconte-moi, c'est quoi? Eh ben écoute, c'est un organisme qui s'occupe des handicapés. Et puis j'ai mon pote Hugo qui m'a proposé de le faire avec eux. Donc voilà, on accompagne quoi. Il s'appelle comment ? Il s'appelle comment ? Frédéric. Il s'appelle Frédéric. Ok. Voilà. Et là, ça va être un moment frissonnant pour tout le monde, là, je pense. Ouais, voilà, c'est ça. On fait la bonne action et puis ça nous fait plaisir, ça lui fait plaisir. Donc voilà, c'est cool. C'est cool. Voilà, c'est cool. C'est le mot de la fin. C'est cool, ce dans Charleville. On les laisse s'élancer. Et on vous souhaite une très, très bonne après-midi, un bon dimanche dans nos belles Ardennes. Salut.